C'est un casque qui est très léger, qui est très fité. C'est quand même très agréable. Il y a une bonne vision, on a une bonne luminosité dans le masque. On voit vraiment bien le terrain. C'est très agréable. Franchement, grosse surprise. Aujourd'hui, on est dans un souci d'esthétisme. Nous, au quotidien, sur les pistes, c'est important qu'on puisse véhiculer une image avec Aurac. Et quand on passe la journée au ski, c'est toujours agréable d'être un peu dans le confort. Le ski, c'est un sport d'extérieur qui est un peu rude par moment. Et là, on est dans un confort, on est un peu dans un cocon. Et c'est assez agréable. La jugulaire est aimantée, elle sort très facilement, elle se remet assez facilement. Les ventilations qui sont bien pensées et bien placées sur le casque font que le casque reste sec. Après une journée de ski, j'ai pas de symptômes de frissons ni de froid que je peux ressentir avec un autre modèle que je portais avant. Le casque va très bien avec la mode actuelle, les matériaux sont nobles, le casque est très agréable, le cuir apporte une touche luxe sur l'objet, c'est un très bel objet. J'ai eu l'occasion de skier dans des conditions plus difficiles que celles qu'on a aujourd'hui. On a une très bonne visibilité dans le masque, pas de buée, ça c'est important. J'ai pas d'air qui passe dans les yeux, j'ai pas les yeux qui pleurent, il n'y a pas de filet d'air. Donc ça c'est quand même des points importants quand on skie au quotidien sur toute neige, tout terrain et toute météo.